J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est vendredi, rendu presque une heure. C'est une journée pédagogique avec les enfants. Fait que moi, j'avais congé, puis les enfants, ils avaient congé. Fait que j'ai gardé Lily aussi à la maison. Puis, il fait vraiment beau. Il fait chaud, là. Je suis en camisole dehors. Les enfants sont en train de jouer aux autos, un genre de garage dans la cour. Puis, voilà. Que les derniers jours n'ont pas été faciles. Dans le fond, mercredi, j'étais en train de travailler. Puis, j'étais avec un patient. Puis, je me suis sentie comme un voile devant mes yeux, mais comme vraiment subitement. Puis, tout d'un coup, comme ma tête est devenue comme... C'est comme si je serais étourdie, mais c'était comme plus intense. Là. Comme si ma tête était lourde, puis genre, j'allais... Je sais pas si... J'ai jamais perdu connaissance, mais je sais pas si c'est la même chose, mais j'ai l'impression que j'allais perdre connaissance, mais... Je me suis rendue un petit peu plus... Comme j'ai lâché mon patient, je me suis rendue un petit peu plus loin. Puis ma collègue, elle m'a apporté voir le médecin. Fait que là, j'ai vu le médecin. Puis après ça, il a fait mes signes neuro, il a fait ma pression, mes signes vitaux. Puis mes signes neuro étaient beaux parce qu'il suspectait, tu sais, avec, avec le changement de vision subitement. Puis après ça, c'est ça, mon bras, il a commencé à engourdir, mon visage aussi. Puis ça, ça m'est déjà arrivé dans le passé. Mais on m'avait dit que c'était des migraines avec aura parce que le matin, avant d'avoir ces symptômes-là, j'avais eu mal à la tête. Puis là, cette fois-ci, j'avais eu mal à la tête, mais là, avait des gros, gros mal de tête, comme si ça serait une migraine. Fait que là, malgré que mes signes neuro étaient beaux, je me sentais pas vraiment mieux. Fait que le médecin a préféré d'appeler l'ambulance. L'ambulance est arrivée quand même... 20 minutes à peu près. Puis après ça, ben, ils m'ont emmenée à l'hôpital Cité de la Santé à Laval. Puis je passais tout de suite. Dans le fond, ils m'ont mis en salle de réa. Pas parce qu'il fallait qu'ils me réaniment, mais parce que c'était important. Puis c'est ça, le médecin m'a fait faire un scan, des prises de sang et tout ça. Puis tout était beau. À part que c'est quand même spécial, mais ils ont trouvé en faisant mon scan que j'avais un nodule sur une glande thyroïde, sur ma glande thyroïde. Fait que ça, il paraît que c'est quand même commun, que ça veut pas dire que c'est grave. Ça veut, c'est juste qu'il va falloir que je passe une échographie bientôt pour voir si c'est pas si c'est un nodule qui est bénin ou si c'est autre chose. Mais à part ça, sinon, ils n'ont pas rien trouvé au niveau de mon cerveau. Mais là, les symptômes quand même sont quand même importants. Fait que ils m'ont fait voir le neurologue, puis le neurologue m'a dit qu'il préférait vraiment que je passe un IRM parce que le scan va venir voir, oui, s'il y a eu un ACV, mais l'IRM, c'est plus précis. Fait que ça veut pas dire que si on rien vu au scan, qu'il n'y aurait pas eu quelque chose et qu'ils vont le voir à l'IRM. Fait qu'en attendant, ils m'ont prescrit des aspirines là, pour bébé, là, des aspirines à prendre chaque jour pour être sûr que si j'ai pas un caillou ou quelque chose, mais que mon sang, t'sais, mon sang soit plus clair. Fasse pas de caillou. Puis, c'est ça. Fait que là, j'attends l'appel pour aller faire un IRM. Mais là, aujourd'hui, ça va mieux. À matin, on dirait que j'ai comme ressenti un peu d'engourdissement, mais je suis comme pas sûre. On dirait que genre, je me dis. T'sais, vu qu'ils ne voient pas au signe neuro qu'il y a une problématique, qu'au scan, il n'y a rien, on dirait que je me dis, Chris, c'est-tu dans ma tête qui est testé que je sens ça? Mais non, c'est vraiment pas dans ma tête. Je le sens vraiment beaucoup. Là. Mon bras, quand c'est arrivé, mon visage était vraiment engourdi. Là. Puis là, le matin, on dirait que ça me l'a refait un petit peu mini à faire. En tout cas. Fait que voilà. Fait que là, c'est ça. Hier, j'étais censée travailler, mais j'ai pas travaillé. Ma collègue avec qui je travaillais, la cordeau de la clinique, elle m'a mis off parce que je suis partie en ambulance la veille, tu sais. Puis là, en fin de semaine, je travaille. Mais c'est des corps de travail quand même relax, là. Fait que ça me stresse pas, mais je me sens quand même bien. Je me sens quand même en état d'aller travailler. Mais c'est ça. Fait que voilà. On dirait que j'ai vraiment eu peur. J'ai vraiment eu peur. Ça m'a vraiment stressée. Genre, je me suis dit, mon Dieu, vas-tu mourir, déjà? Puis c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, je profite du soleil, puis j'ai ramassé pas mal la maison, parce que Théo, il a été, je sais pas trop qu'est-ce qu'il a fait, mais il a été se rouler dans, au cul du caca, parce qu'il y avait peut-être le poil sa tête avec du caca, puis ça puait le Christ. Fait que là, j'ai lavé un petit peu avec la hausse dehors, puis du shampoing, mais là, il est rentré dans la maison, puis il veut sortir dehors. Mais parce que là, il y a comme un tas de caca dans le cours avec du sang dedans.
Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ça m'inquiète. Fait que je vais le laisser là pour que Dany le voie. J'ai pris une photo, j'ai envoyé, mais je veux qu'il le voie, il va. Non, Félix. Non. Fait que c'est ça. Puis là, ben c'est ça. En fin de semaine, je travaille samedi pour Biron, dimanche à la clinique. Puis sinon, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Fait que voilà, je vais commencer à faire un petit vlog. Fait qu'on se parle peut-être plus tard. Finalement, on a été au parc. Il était tout seul. Puis on a décidé d'aller manger une crème glacée. Fait que j'ai été chercher Alissa puis Anthony. On est à la crèmerie Maître Glacier à Repentigny. C'est tellement bon, c'est ma préférée. Après, on va aller marcher sur mon parc. Fait que tantôt, j'ai emmené les deux plus jeunes au parc. J'ai emmené leur vélo. Ellie a appris à faire du vélo avec les deux petits trous en arrière. Là. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Fait qu'il est vraiment rendu bon. Il va super vite. Puis après ça, j'avais goût de manger une crème glacée. Puis c'est ça, je ne mange jamais de crème glacée ailleurs que au Maître Glacier parce que c'est les meilleurs. Ben j'en mange ailleurs, mais c'est tout le temps pas bon. Puis je regrette toujours. Fait que voilà, j'ai mangé un bon sundae framboise au chocolat. C'est toujours ça que je mange. Puis là, on est au parc de l'île Lebel à Repentigny. Il y a encore de la neige ici. Puis, c'est ça. On est en train de se promener. Il fait super beau. Moi, je suis en chaud. Elle est aussi en chaud. Puis, après notre marche, je ne peux pas retourner à la maison. Dany va arriver tard aujourd'hui. Fait que je suis vraiment toute seule toute la journée. Fait que j'essaie de m'occuper. Puis, ça doit faire un bac. Un bac quoi? Backflip? Ouais. Un backflip pour être accepté dans une autre équipe. Fait que elle se pratique sur la table, mais il faudrait qu'elle le fasse à terre. 1, 2, 3, go! Wouh! Bon, on en a un ici. Anthony est parti à l'autre bout de la forêt pour faire peur aux plus jeunes. Puis les deux plus jeunes, je sais plus sont. Alissa, Félix! Par ici! Allez! Ah ouais! Anthony, où? Je sais pas. Ah, sûrement il veut le faire. Théo, il doit aller se faire laver à cause qu'il est plié dans le caca. Ben, il s'est roulé dans le caca. En tout cas, je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait, mais il pue. Tu pues, Théo? Oui! Oh, il a peur. C'est pas la plus grosse douche, hein? Ouais! Oh, oh, il pleure. Ça va du bien. Pas trop chaud, hein, Anthony? Tiens, veux-tu de boire de l'eau? Mon fils, c'est vite, là, il aime pas ça. T'as-tu enlevé son collier? Ouais. Ok, mouille-le au complet, puis après ça, tu le frottes. Ouais! Regarde! C'est bon, Anthony.
Oui, propre. Toujours monté là. Sauf que, regardez ma douche. Théo, arrête! Ma douche, mon plancher, mon miroir. C'est dégueulasse. Bon, mes gars sont en train de bûcher des bûches. Oh, t'es tout nu. Je sais pas qu'est-ce que tu fais là. C'est les plus beaux moments, c'est quand c'est déformalisé. J'aime pas les émotions imposées comme ça. Je me sens pas bien. C'est un peu les émotions. Oui, bon, fait qu'on est rendu plus tard le soir. Il est rendu 7h30. Tani est toujours au travail. Comme je viens de vous montrer, les gars sont en train de boucher les bois dehors. Ellie écoute des vidéos dans ma chambre, puis Alissa est dans sa chambre. Je suis en train de fermer un peu les fenêtres parce qu'on dirait que ça commence à être frisqué. J'ai envie d'aller m'acheter un gâteau McCain au chocolat. J'ai vraiment envie de manger ça, je ne sais pas pourquoi. Là. J'ai mangé des pêches, mais ça ne m'a pas contenté de prendre tout. Mais je pense que je vais aller m'acheter ça. J'ai demandé à Alissa si elle veut garder. Alissa! J'arrive! Est-ce que... Ça sent quoi dans ta chambre? Ça sent manger? Ça sent manger? Qu'est-ce que ça mangé? J'ai mangé du popcorn. Non, ça sent pas le popcorn. Ça sent le popcorn, j'ai mangé du popcorn. Non, ça sent pas le popcorn. Ça sent de la bouffe cuite. Mais genre du popcorn, mais tu sais dans le truc là. Est-ce que tu peux venir surveiller Lily le temps? Avez-vous vu la chambre de ma fille? C'est des néons partout. Est-ce que tu veux venir surveiller Lily? Je vais aller au métro vite. S'il te plaît, viens, parce que les enfants sont dehors, fait qu'ils peuvent sortir. Ils sont dehors? Félix et Anthony sont dehors, fait qu'ils peuvent sortir. Fait que finalement, j'étais au métro. Fait que j'ai acheté qu'est-ce qui manquait en même temps. Fait que j'ai acheté deux poignées. Il n'en avait plus, fait que pour demain matin, ça va être pratique. Il restait seulement une poche de lait, fait que j'en ai acheté. Les chips, comme ça, l'oignon, puis barbecue. Puis mon... Gâteau McCain! Hey, c'est tellement cher, ça n'a pas de sens. Quand je l'ai vu, je fais comme, ben non, ça se peut pas. Je peux pas m'acheter un gâteau à 7,49. Et avant, là, c'était pas cher. Là, je pense que c'était comme... Des fois, il y en a un spécial à 2,99. Là. C'était vraiment pas cher. Mais ils sont vraiment bons. Fait que voilà. Fait que je vais aller manger ça devant la télé. Je sais pas que je vais écouter. Hier, j'ai écouté un bon film. Même Anthony l'a écouté avec moi. On a écouté... Marie-moi. Ouais, c'est ça. Marie-moi avec Jennifer Lopez. C'était vraiment bon. Ben, c'était vraiment bon. C'était un bon film. On écoutait ça où? Sur Netflix? Je pense que oui. Fait que voilà. J'ai enlevé mon toit tantôt. Vous voyez pas, là, en tout cas. J'ai enlevé mon toit de Jeep. Juste le devant. Il faudrait que je remette les panneaux avant d'aller me coucher. Fait que voilà. Fait que je rentre dans la maison. Je vais pas coucher les enfants quand même tôt, vu que demain, c'est samedi. Puis, oh my God! Voilà, j'ai quand même une journée occupée, finalement. J'ai quand même fait de quoi toute la journée. On a été au parc, après ça a été à Crème-Lacée, au autre parc. Puis, on a été dehors aussi. J'ai quand même nettoyé un peu dans le cours. Dans le fond, j'ai un peu, comment ça, coupé des branches de cèdre, des branches de mes petites arbres là, que j'ai dans la cour et tout ça. Fait que ça fait du bien, les gars m'ont aidé. Fait que voilà. Fait que je vous dis bye pour ce soir, puis on se revoit en fin de semaine. Bon matin! Donc, on est rendu dimanche. Fait que je viens de me réveiller pour pas trop longtemps. Félix était déjà réveillé, écoutait la télé. Puis, il y faisait encore dodo, mais là, il vient de se lever. Fait que je me suis fait un petit café. Ça fait du bien.
Donc aujourd'hui, vu que Dani travaille encore, les parents d'Annie s'en viennent chercher, s'en viennent, je ne suis pas sûre s'ils viennent garder à la maison ou ils viennent les chercher, mais ils vont les garder. Alissa travaille ce matin, puis Anthony travaille plus tard. Je ne me rappelle pas à quelle heure, mais il travaille plus tard. Fait que voilà. Puis sinon, moi je finis comme à 3. Fait que je finis pas tard. Je pensais qu'il allait faire beau aujourd'hui. Mais là, à moins que c'est parce qu'il est mouillé cette nuit, mais tout est mouillé dehors. J'avais laissé tous mes coussins. Tous mes coussins sont mouillés. Fait chier. Il venait d'être tout sec. Puis là, j'ai tout encore mouillé. J'ai oublié de mettre la. Ben, j'ai pas oublié. Je pensais qu'il allait pas pleuvoir. Fait que j'ai pas mis la housse, je l'avais fait sécher, elle est revenue tout mouillée. Fait que voilà. Fait que c'est parti pour ma journée, puis ben on se reparle sûrement après la journée. Salut! Fait que je suis de retour de... Yep, je suis de retour du travail, ça vient d'été. Sauf qu'on dirait que je filais encore pas. J'écoute un vlog, je peux dire c'est qui? Je sais pas si je la suis. Les vlogs d'Audrey. Un haul d'été. C'est ça. On dirait que je filais comme encore pas, là, mais j'essaie de comme me concentrer sur moi-même et me dire ça va aller. Mais c'est ça. Là, ça va un peu mieux. En tout cas. Fait que j'avais envie. Je viens de mettre du linge à vendre sur Facebook Marketplace. J'ai pas de site là, de vente de linge. Puis j'ai pas beaucoup de patience sur ça. Fait que. Des fois, ça me tente, fait que j'en mets à vendre. Fait que je vais vous montrer en même temps qu'est-ce que j'ai mis à vendre. Puis, voilà. OK. J'ai mis... C'est comme... c'est un chandail que j'ai acheté chez Winners. Je le trouvais super beau. J'ai pris un medium, mais j'aurais peut-être dû prendre un plus petit parce que c'est comme un oversize. Puis regardez, les manches sont faites larges, mais là, c'est comme vraiment trop large. Fait que quand que je le mets, je trouve que ça me va pas bien. Mais il est tellement beau, ça me fait quand même chier parce que... Je le trouve full beau. Okay. Lui, je l'ai mis à vendre. Ensuite de ça, cette laine-là, que j'ai tellement aimée. Dans le fond, c'est une dynamite. Ça, c'est dans le small, par exemple. Puis, je l'avais acheté quand j'ai fait mon cours d'infirmière auxiliaire. Puis, je me rappelle, on était comme 2 ou 3 à se l'avoir acheté parce qu'on l'aimait full. Voilà. Après ça, celui-là. J'ai acheté ce chandail-là. C'est un chandail Puma. Il y a le signe, là, ici. Je sais pas si on le voit. Il y a un capuchon. Il est fait comme un peu plus long dans le bas, dans le dos, que dans le devant. Je l'ai jamais vraiment mis. Il est trop comme ordinaire. Il sert à rien, je trouve, selon moi. Ben, pour moi. Ensuite de ça, j'ai mis cette robe-là. C'est une robe rose maternité dans le medium. Elle est super belle. Je l'ai pas réessayée depuis que j'ai perdu mon poids. Parce que je l'avais plus, je pense, en signe de Ellie. Fait que peut-être qu'elle me ferait bien, mais en tout cas. Fait que je la trouvais quand même très belle. Une medium dans le orange. Ensuite. Ça, c'est à mon chum. Ça, c'est à moi. Ah, cette robe-là. C'est une robe de chez Dynamite. C'est une medium. Elle est super belle. C'est juste que j'ai comme. Je l'avais déjà mis à Noël, mais là, j'ai pas d'occasion pour la mettre nécessairement. Je la trouve très jolie. Mais c'est ça. Je sais pas quand je la remettrai. Après ça, oh, ce chandail, cette petite chemise-là par-dessus, c'est une taille. Je l'avais acheté chez Costco. C'est bien beau, sauf que je l'ai mis peut-être une fois ou deux, puis je ne la remets pas. Fait que je me dis, je la mettrai sûrement pas. Après ça, ce chandail-là. Ça, je l'avais acheté dans plein de couleurs chez Costco, si je me trompe pas. Puis, je ne mets plus. Je ne mets plus beaucoup de chandails avec des... Comme un chandail coton-ouetté, là. On dirait, ça me tente moins. Après ça, ce petit veston-là, c'est un Dynamite Small. C'est pas moi qui l'ai acheté. Je pense que peut-être que je l'ai eu, quelqu'un me l'a donné, ou je l'ai racheté peut-être, mais genre en friperie. Mais comme je l'ai pas essayé, puis là, je l'ai acheté, puis ouais. Je le trouve beau, sauf que c'est trop petit. Ça me fait pas trop bien, je trouve. Après ça, c'est encore une petite veste carottée, mais plus chaude à l'intérieur. Elle est super belle, mais encore là,
je trouve pas d'occasion pour mettre ça. Tu sais, je pourrais le mettre à la cabane à sucre. Celle-là, je l'ai pas mis à vendre, mais je l'ai mis vraiment pas beaucoup de fois. On dirait que les couleurs vives comme ça, ça... Genre, j'aime ça, je la jette, puis après ça, je me trouve trop intense quand je mets ça. Fait que... Celle-là, je l'avais achetée chez Old Navy. Elle est quand même super belle, là, comme laine. Puis j'ai mis celui-là aussi à vendre, j'avais oublié. Fait que ça, c'est comme un coton ouaté, mais il est quand même fait lousse. C'est un dynamite. J'ai beaucoup de chez dynamite. Puis la grandeur, c'est medium. Ouais, medium. Mais je trouve qu'il est fait trop... Vu que c'est épais, puis qu'il est fait lousse, j'ai l'impression que... Genre, j'ai l'air comme plus grosse que je suis gros que mon poids. Je sais pas comment dire ça. Je veux dire, je trouve que ça me fait pas, ça me va pas bien. Ça m'avantage pas. Sinon, je pense que... Ah oui, j'avais mis cette veste. Oh my god. Cette veste en jeans-là, je la trouve super belle. C'est une Vero Moda. Mais je suis pas certaine si elle est trop petite. Elle est c'est une medium. Je la trouve peut-être trop ajustée, mais je sais pas avec quoi je pourrais mettre ça en même temps. Fait que je la trouve belle, mais je trouve pas d'occasion pour la mettre. Alors voilà, c'est les vêtements que j'ai mis avant. là, je suis à la maison. Dans le fond, Annie n'est pas revenue encore. Les gars sont encore avec mes beaux-parents parce qu'ils les gardaient aujourd'hui. Puis, mes cheveux sont vraiment là. Puis, les deux plus vieux, ben, sont... vaque à leurs occupations. Puis là, j'avais envie, parce qu'il y a une d'entre vous qui a écouté mon dernier vlog, puis qui a commenté qu'elle avait acheté mon livre 18 ans et maman, puis qu'elle avait vraiment aimé. Fait que ça me fait penser de m'en reparler, parce que veux pas, quand j'ai écrit mon livre en... Je pense en 2020, je me rappelle pas. 2021. Je pense que c'est 2020. J'en avais parlé, mais à ce moment-là, j'avais moins d'abonnés sur YouTube. Puis, j'en ai vendu quand même plusieurs, mais tout à des gens que je connaissais, là, que c'était plus du bouche à oreille. Mais là, c'est ça, je me suis dit que je vais aller en reparler ici. Fait que dans le fond, en 2020, à peu près, j'ai écrit le livre 18 ans. Lui, il est vraiment magané, là. 18 ans et maman. Dans le fond, c'est l'histoire, mon histoire à moi, qui raconte un peu... comment je me suis sentie en devenant maman à 18 ans, puis comment j'ai réussi comme, pas à m'en sortir, mais à réussir à de me faire quand même une belle vie, là, en étant aussi jeune maman. Puis ça se lit vraiment, vraiment bien, genre, tu sais, il y a des livres, des fois, que t'embarques plus ou moins dedans, mais les gens qui l'ont lu m'ont tous dit que c'était vraiment bon à lire. Puis il y a 142 pages, fait que, puis tu sais, les caractères, c'est comme ça. Fait que c'est, tu sais, c'est pas en trop petites lettres. Ça se lit vraiment bien. Il est en vente sur Amazon à 14,95 si je me trompe pas. Dans le fond, c'est moi qui l'a. Dans le fond, je l'ai fait de A à Z. Sur Amazon, ça s'appelle KDP Amazon. Puis tu peux faire ton propre livre. Il y a plein d'étapes, mais j'ai fait toutes les étapes. Puis j'ai quand même passé vraiment beaucoup de temps à écrire ce livre-là. C'était pendant la pandémie que je travaillais, que je débutais de travailler chez Biron, puis on prenait la température des gens qui rentraient dans les entreprises, puis on s'assurait dans le fond que tout le monde n'avait pas de symptômes de la COVID, puis il y avait beaucoup, beaucoup de lousse entre chaque patient, ben pas chaque patient, mais entre chaque personne qui rentrait dans on couvrait plusieurs corps de travail, là, fait que mettons, je couvrais le corps de travail de 9 à 4, mais là, des fois, je faisais... 9 à 4, puis là, je couvrais le corps de travail qui commençait à 4 heures, puis après ça, je partais, tu sais, mettons. Fait que c'est ça. Fait qu'il y avait bien du temps à rien faire. Fait que j'ai écrit ça, après ça, j'ai corrigé. Il y a plein de monde qui m'ont aidé pour corriger parce que je suis pas la meilleure en correction. Après ça, ben, il a fallu que je monte tout ça là, dans le logiciel, que je fasse ma page couverture, le derrière et tout ça. Fait que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, mais je suis vraiment très fière de moi. Puis, je pense que ça, c'est un livre que, tu sais, que plusieurs mères, plusieurs jeunes mères, plusieurs adolescentes aimeraient lire. Même des personnes qui sont pas nécessairement dans ma situation. C'est vraiment un bon livre, je trouve. Ça se lit bien, puis c'est ça. Alors, voilà. Fait 14,95 sur Amazon. Vous avez juste à cliquer, à écrire 18 ans et maman, livre 18 ans et maman, puis ça va vous sortir ça direct.
Puis sinon, mon nom, c'est Myriam Laflamme Berthelot, parce que vous pouvez, je pense, le trouver en écrivant mon nom aussi. Puis voilà, ça serait vraiment super si vous le procurez, puis que vous me dites un petit commentaire, soit ici ou sur Amazon directement. Vous pouvez, quand vous l'achetez, là, écrire comment vous avez trouvé le livre. Puis mais comme ça, ben, ça incite les autres gens à se le procurer. S'il y a des bons commentaires, évidemment, si vous l'avez mis. Alors voilà, sur ça, j'écoute des vlogs, puis je vais attendre que Dani arrive. Les enfants vont coucher chez mes beaux-parents, nous laisser une petite pause. Sérieusement, les deux, on est quand même assez brûlés, on travaille toute la fin de semaine. Je pense qu'on réalise pas qu'on court un peu trop. Mais en même temps, c'est ça notre vie, genre, on peut pas vraiment rien y changer. Mais ouais, ces temps-ci, je suis vraiment fatiguée. Dani aussi est vraiment fatiguée, puis... on dirait que c'est comme normal parce que c'est notre rythme de vie, mais là, je sais pas. J'aurais encore besoin des vacances, puis il me semble que ça fait pas si longtemps que ça qu'on est parti en vacances, fait que c'est pas normal. Mais oui, c'est ça. Fait que voilà, fait que je vous souhaite de passer une belle journée, puis on se revoit dans un prochain vlog. Bye!